Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 avec les datés. Et on va continuer notre petite aventure. Alors, ça va être tricky, hein. On a un démarrage là un petit peu gênant avec les rebelles. J'aimerais bien qu'ils viennent me chercher en vrai. Actuellement, on a 10 unités contre leurs 13, donc 10 unités et nos généraux contre leurs 13. On a un petit peu d'expérience. C'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer, je pense, mais ça prévoit d'être un petit peu tendax. Ici, je pense que l'armée a disparu. On verra, hein, c'est pour ça que j'ai laissé quand même quelques troupes en renfort, mais je pense que l'armée a disparu. Donc, on va passer le tour, hein, et voir un petit peu comment ça va se passer. Parce que, clairement, le rebelle en même temps que l'assaut ici, ça la fout mal. Lui pourra tout à fait venir nous chercher, profiter que le rebelle nous a affaiblis, enfin... Il va y avoir un petit peu de tension, je pense. Il a aussi d'autres occupations, potentiellement. Alors, ok, là il s'occupe des rebelles, ça nous va. Parfait, alors est-ce que nos propres rebelles font quelque chose ? Tant de factions, il va falloir diminuer un peu tout ça. Hein. Ok, visiblement c'est l'assaut. Très bien, très bien. Oh la vache, 3 Yeri samouraï, une light cavalerie, un général rang 3. Oh la violence. Il a que 2 archers. Notre ville vient en renfort, heureusement. Ça c'est quoi? Drop in battle. Ah oui, non, c'est pour demander éventuellement à... un autre joueur de prendre le contrôle, ok, pas de souci. Donc là, c'est notre petit frère qui va faire sa première bataille. On est 2 x 900 et sont 2100 avec en plus de qualité. On est en défense. On est en défense, mais pas dans notre ville, hein. Donc, on va voir comment ça se passe. En plus, nos renforts vont arriver probablement sur le côté. Alors, on va charger tout ça et on va se retrouver. On aurait eu une belle position défensive si on avait démarré sur ce côté. Alors, ouh, il a choisi le brouillard en plus. Alors, comment ça se passe? Ici, on a une position défensive, mais bof, ça va pas privilégier nos archers. Et ici. Ouais. Nos renforts arrivent de là, donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse notre ligne de front ici. Même si ça me plaît pas trop. Ah, on peut mettre des défenses, d'accord. Alors des défenses, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eux, ils peuvent mettre des murs devant eux. Alors, si le jeu veut bien... Ok. Oh! Jeu! Ah non, on ne peut en déployer qu'une. D'accord, très bien. Par contre, c'est un peu merdique ça. Cliquer dessus ou pas, voilà. Je suis pas sûr que ça soit utile. Nos renforts vont aller arriver là. On va peut-être de toute façon se décaler pour aller les rejoindre. Donc je suis pas sûr que ça soit très très intéressant. On va démarrer la bataille. On va se déployer par là directement. On les voit malgré le brouillard. C'est plutôt bon signe. Est-ce qu'ils courent? Ouais, il se déploie un peu partout. Donc, on va ranger tout ça. Alors, on va devoir faire une ligne de Yari. Mieux des arbres, ici. Toi, tu vas là. Toi, tu vas aller ici, j'en ai oublié un. Vous tous. Ici, voilà. Toi, tu vas... On va essayer de se servir de toi pour gérer nos... Pour gérer la cavalerie, si on peut. Et on a quand même 3 unités de général, de généraux. Ouais, ça devrait nous donner un petit avantage. Il avance avec sa cavalerie. Ashigaru. Yari Samurai derrière, là. Yari Samouraï par ici. Bon, visiblement, il va se placer.
va surveiller s'il charge avec des unités genre comme celle-là là. On va essayer de d'en profiter, mais à mon avis il va se mettre en ligne. Hein. Je sais pas exactement ce que fait le brouillard. Est-ce que ça diminue notre portée 150? Peut-être. Ok, là il court. Très bien. Alors il a un beau devant, deux beaux devants. On va rester concentré. Et je pense que on va commencer à avancer. Dès qu'ils seront à portée de tir et qu'on commencera à tirer, on va mettre notre ligne de Yari devant en mur pour parer aux charges. Alors juste vérifier ça. C'est pour les contre les cavaleries, ouais, c'est vulnérable au flanking, logique. Alors il s'arrête, non, il continue de courir, sa cavalerie, elle en est où? Elle est là. Visiblement, il fait une petite force de flanque là. Ok, il va être temps de commencer à courir. Alors, comment ça se passe? Il y a du Yari Samurai ici qui nous flanque, on va pas pouvoir mettre notre mur. Il y a beaucoup trop de lignes de front. Ou alors il faudrait qu'on s'étende. Non, courant s'il vous plaît. Beaucoup plus que ça. Ça c'est du Yari Samurai, on commence à tirer. Ici il y a la cavalerie qui fait le tour. On va la choper. Gênez pas les Yari vous. Bon, la cavalerie devrait perdre hein, face à ça. Par contre, ici, il y a les Yari Samouraï qui arrivent de dos. Il va falloir que on utilise nos généraux, pas le choix. Ici, on va aller filer un coup de main, tenter des charges de dos sur les samouraïs. Notamment neutraliser les Bo Ashigaru, ça pourrait être pas mal. Nos tireurs, ils tirent là. Hein. Ouais, ils tirent. Hop, on fait le tour. Toi, tu vas aller chasser les archers. Ici, la cavalerie est en déroute, c'est parfait. On se retourne là. Toi, continue de poursuivre ça. Où est leur général? Où est leur général? Ici. Ok, il est en train de contrecharger. On va voir, est-ce que c'est moi qui viens chercher? Ouais, c'est moi qui viens chercher. Ok, très bien. Il est level 3 alors, foutu général. Hein. Ah, il y a des Yari samouraïs qui viennent. Putain. Découpez-les. Tirez dessus. Un max. Qui c'est qui est en déroute? Pourquoi vous êtes en déroute ici? Ah, parce qu'ils étaient au contact avec des samouraïs peut-être. Alors là c'est du Yari, ouais, ils devaient être au contact avec des samouraïs mais ils sont en train de se replier. Normalement il en reste, Yari Ashigaru, il y avait 3 unités de samouraïs. Ils sont là, ok. On va donc les choper de dos. Vous courez ici, vous allez pouvoir les choper de flanc. Ashigaru. Ah ils sont là, les samouraïs. On va essayer de leur tirer dessus si on peut. Ici, il va falloir qu'on évite ce combat tant bien que mal. Et du coup, là, on s'est sorti. On s'est sorti des samouraïs. Donc, il faut. Donc, eux, ils sont en déroute, c'est fini. Il faut qu'on fasse le tour et qu'on se referme très rapidement ici. Voilà, c'est bon. On est sorti en avant. Là, en avant. Ici, putain. Demi-tour et combattez, même si vous êtes mal barré là. Il manque de généraux pour tenir, malheureusement. Ah putain, c'est la déroute. C'est la déroute un peu partout. Alors là, eux sont en déroute. Il va falloir qu'on aille. Parce que le problème, c'est qu'en éloignant nos généraux, hein, bien sûr, le moral s'écroule. Il faudrait qu'on aille caler un petit rallié par là. Et ici, il faut qu'on s'éloigne. On va se faire dépouiller. On va les faire courir, tant pis.
faut. Alors, ici, du coup, on a réussi à mettre en déroute. Donc, il faut qu'on se referme là. Ici, tirez là-dedans, vous. Alors, tentez une charge, ils sont chacun, il y a moyen de les mettre dans le mal. Là, chargez là-dessus, ici. On va peut-être perdre notre petit frère, mais s'il arrive à faire. À occuper l'ennemi, bah ça fera le taf. Malheureusement, ils ont pas l'air de vouloir se reformer. Ici, on tient. Alors, attendez, là, on dirait qu'ils font demi-tour. On va donc tenter de faire un petit retournement. Là, on a neutralisé. Ça, c'est parfait. Les samouraïs, ils sont en train de se reformer. Pour l'instant, on a réussi. Tout est en déroute ici. C'est tout est broken. Ouais, il y a eux là qui résistent. Alors, nos généraux, ils en sont où? Toi t'es là, on va essayer de continuer de charger là-dedans. Toi t'es où? T'es ici, en train de poursuivre ça. Ici on les a aux fesses, hein. Clairement. Ok, là on est de nouveau au contact. Alors on va pas trop les poursuivre, hein. Il faut qu'on fasse une ligne. Avec ceux qui sont pas en déroute. C'est-à-dire pas grand monde. Replacez-vous. En courant. Les archers, ils ont bien résisté. Ça fait plaisir. Replacez-vous également. On va déplacer notre ligne de front là. Ici, on continue un peu de poursuivre ça. Ici, pareil. Toi, t'es bien. T'as réussi à plus ou moins esquiver à part un mec, j'espère que c'est pas le général. Non, il est là. Allez, go, tu traces en ligne droite, tu rejoins la ligne de front, tu rejoins les troupes. Fonce. Ici, ça s'est reformé. Alors là, il y a des Yari Samouraï qui arrivent et on a notre cavalerie qui est là. Essayez donc de poursuivre. Eux, ils sont en train de se reformer. Là, le moral est mauvais, c'est plutôt bien. Ici, pareil, on est en train de les broken. Visiblement, les autres, on a réussi à les faire fuir définitivement. C'est très très bon. Donc, petit frère. Petit frère, il va courir ouais, en ligne droite jusque derrière nos lignes. C'est très bien. C'est parfait. Là c'est la grosse grosse déroute des familles, on va leur passer dessus, mais alors faut pas qu'ils se reforment. Parce que là ils peuvent nous faire mal. Continuez de courir, continuez de courir. Nos Yari Samouraï ils sont où? Essayez de choper le général. Toi, continue de courir. Ici c'est en déroute complète, parfait. Duck, rabattez-vous là-dessus. Là, on continue de poursuivre ça. Alors, j'aimerais bien pouvoir continuer de les finir, hein, mais il faut qu'on sécurise les morales brisées. Autant que faire se peut. Ça a l'air d'être une victoire. Qui s'est reformé? Ok, non, c'est une victoire, parfait. Alors, voyons voir ce qu'on peut poursuivre. Ici, toi. Ça c'est du Hashigaru, ça c'est du samouraï. Essaye de les choper avant qu'ils s'enfuient, même si c'était plus très nombreux. Ici on continue de faire le taf sur les archers. Alors, il y a peut-être mieux à faire, toi. Où sont les samouraïs? Ça c'est du Hashigaru. C'est le plus lointain. On va les poursuivre. On se rebattra après sur les autres. En plus là il y a moins qu'il y ait quelques tirs, alors toi reviens. Pas la peine de poursuivre le général, tu le rattraperas plus, mais ouf, cette victoire est franchement propre. C'était pas gagné, on va pas se mentir. Notre petit frère a souffert, mais il a fait le taf. Est-ce qu'on peut s'encourager nous-mêmes? Ouais, on peut s'encourager nous-mêmes, c'est parti.
histoire de nettoyer plus rapidement. Alors toi t'as fini, mais il y a encore du travail, hein. Reviens par là, là il y a une marée d'ennemis en déroute là. Arrêtez-vous, vous. C'est bon, revenez, ça sert à rien. Alors je vais pas me mettre en vitesse 3 pour l'instant parce qu'il faut vraiment qu'on fasse un maximum de dégâts. Allez, on s'améliore un peu nos bonus là. On a 148 samouraïs à défoncer. Parfait, ça c'est fait. Maintenant, rabats-toi là-dessus. Toi du coup, t'as fini ça. T'as une unité ici à poursuivre, c'est quoi? 76 à Shigaru, c'est parti. Là on est dans le gros tas, on va y arriver avec nos deux unités les plus efficaces, enfin en tout cas les plus nombreuses. Le petit frère il a fait le taf, le petit frère, hein, franchement. J'y croyais pas trop, mais quand j'ai vu qu'il se faisait choper par un Yari samouraï et le général, je me suis dit oula, c'est fini. Mais il a réussi à les divertir suffisamment longtemps. Attaquer ça ou pas? Ouais, vas-y. Défonce-les. Voilà, plus que 102, c'est déjà pas mal. Là, on arrive, ils font demi-tour, c'est parfait. Encore mieux. On va les faire courir un peu. Hop, ils sont 27. On va essayer de les faire descendre jusqu'à 10. Et après, on changera de cible. Peut-être du coup pour celle-là. Allez, 18, là, il y a moyen de faire mieux que ça. Chopez-les. Voilà, 13, 12. Ils sont où? Je les vois plus. 6, parfait. En avant, par ici. Toi, du coup, t'es en train de finir, là. Alors, ça, c'était beau. Ce que tu tapes, c'est quoi? Des samouraïs. Attends, il y en a encore 47. Non, il faut que tu fasses mieux. Ah, putain, ils se sont séparés. Ils se sont séparés, les fumiers. Ça, c'est chiant, ça. Tant pis, ceux-là vont certainement réussir à s'enfuir du coup. Toi du coup t'as fini, mais peu de chance que tu puisses faire grand chose de plus. Peut-être en choper encore un ou deux. Non, ils passent une fois qu'ils sont sortis. Si on a réussi à s'en faire un de plus, c'est pas mal déjà. Reviens là. Ça sert à rien de te faire courir à l'autre bout de la map. Là le problème c'est qu'ils risquent du coup d'en choper un, ensuite le focus risque d'être de l'autre côté, donc ils vont devoir faire demi-tour. Bon ça va, 37 ici, on devrait pouvoir ensuite se faire ça. Ouais voilà, ça y est. Le focus du coup ils sont plus nombreux de l'autre côté, donc ils se replient là. Mais bon, lui du coup, il devrait faire le taf, voilà. On va s'occuper de ces Ashigaru là, qui sont bien pack. Comme il faut. Allez, plus que 18, c'est propre. Je sais que vous êtes fatigué, hein. Mais c'est la vie. C'est des rebelles. Il faut s'en débarrasser. Ok, ils sont plus cuites. Alors, l'autre est où du coup? Là, okay. Là, il y a un gros pack. Normalement, ça m'étonnerait. Il y a visiblement, il y en a quelques-uns qui se sont enfuis de l'autre côté, mais ça m'étonnerait qu'on ait besoin de faire demi-tour. Par contre, si elles atteignent la sortie, je crois. S'il y a une seule unité qui atteint la sortie, ils sont considérés comme sortis, donc s'il y a peut-être un petit beau Ashigaru qui traîne quelque part là, on est mal. Allez, plus que 16, 14, ils sont pas encore dehors, il y en a un qui va sortir, oh, ok c'est fini. Oh, ça va. Franchement ça va, ouais bah oui, ils sont épuisés, c'est la vie. Il y a encore du monde, bon là par contre on peut passer en vitesse 3. On va finir cette unité. Et on sera bien. Close victory. Alors c'est vrai, si on considère que ma ligne s'était écroulée et que c'est ramener les généraux de justesse qui a permis de tenir, et les beaux Ashigaru ont pas cédé, ça c'est beau, je m'attendais à ce qu'ils s'écroulent. Mais la clé, je pense que ça a été leur général s'était barré, nous on a pu ramener les nôtres, du coup la vague de panique s'est étendue de leur côté plutôt que du nôtre. Mais une bataille pas simple. Pas simple. Alors c'est dommage, ça aurait pu être une petite victoire héroïque, mais bon, on
Total War. Par contre, je pense qu'on les a bien bien finis. Le général a dû s'enfuir avec quasiment toutes ses troupes. Il leur reste 253 et une troupe, ça va. On a gagné des petits niveaux partout, ça fait plaisir. Ok, bon, une belle bataille. On va pouvoir aller le terminer et en plus peut-être même pousser par là. Si on peut emmener notre ninja, voir un petit peu ce qui se passe. Oh, c'est quoi ça? Ozaki Atoir. Ah d'accord, il est en train de se faire assiéger par les Kazaï du coup. Il devait être en train d'aller vers nous et l'autre en a profité pour lui sauter dessus dans le dos. C'est peut-être une opportunité ça, parce que du coup il y a moyen qu'il aille se le faire là. Est-ce que ici on y va avec lui? Oui. Alors il leur reste quoi? Ok, on va la faire. J'ai pas envie d'un truc auto à la con et que genre le général meurt parce qu'il s'est jeté sur les lances comme un gros naze. Par contre j'avais peut-être un niveau, j'ai pas fait gaffe, bon c'est pas grave. En tout cas le brouillard a pas l'air de faire grand chose. Ça doit peut-être neutraliser les flèches enflammées ou ce genre de choses, mais c'est assez classe. Franchement la bataille dans le brouillard avec les unités qui sont à peine visibles, qu'il faut regarder et tout, c'est... pas facile mais sympathique. Alors, il lui reste des Yari, samouraï, ce qui veut dire que notre général va rester gentiment derrière. Et il s'est placé ici, et visiblement il charge. Ok, admettons. On va avancer pour leur tirer dessus à l'orée de la forêt s'ils veulent s'amuser, mais. Je vois pas trop le trip. Bon après il peut pas espérer une victoire, alors il espère peut-être. Me prendre de vitesse et me faire le plus mal possible, hein. C'est totalement de l'ordre de l'envisageable, hein. Genre réussir à passer mes lignes, buter le général. Il y a des bonnes chances que nos flèches le dépouillent largement avant qu'il arrive au contact, même en courant. Attention, est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête pas. Alors c'est parti. À notre tour de courir. Tirer plutôt sur les Yari Samouraï tant qu'à faire. On fait le mur. C'est eux qu'il faut dépouiller. Qu'est-ce qu'ils foutent? Tente un mouvement de flanc. Admettons. C'est pas déconnant, hein, dans le sens où au final ok, c'est la déroute, très bien. Commencez donc à tirer là-dessus parce que j'ai pas envie de sortir de derrière la protection de la des lances tant que il y a le général qui s'amuse. Par contre on va se permettre, ok c'est bon, c'est la déroute. Se permettre de lancer une poursuite là. Peut-être. On va tirer sur le général. Au final c'est lui le plus menaçant désormais. On va commencer à charger par là. Il nous a vu sortir. C'est ce que j'attendais, hein. Logique. Allez. Les tirs. On va le ramener sur nos lanciers, pas de problème. On va se prendre une petite charge sur les Boashigaru, mais c'est pas un souci. Même pas, il a changé de direction plus ou moins au dernier moment. Il est pas mort encore, hein. Ici on a réussi à choper les archers, donc ça c'est cool. Donc on va pas poursuivre, hein, tout de suite. Pourquoi j'ai pas ma minimap? Minimap s'il te plaît.
On va pas tout de suite poursuivre les autres, par contre il faut qu'on arrête de tirer parce qu'on va faire beaucoup trop de tirs à mille là. Allez, un petit voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent? Vous avez demandé de tirer là-dessus, pas de couvrir je ne sais où. Ok, c'est la déroute, fantastique, allons-y. Là, on les rattrape. Vous arrêtez-vous parce que vous allez vous faire tirer dessus. Victory, il reste combien? 3 du général. On l'a pas tué le général. Hein. Il est là. On l'a pas tué, donc il peut encore reformer éventuellement un truc. Mais bon, vu l'armée qui devrait rester, ça devrait aller, hein, je pense. Ok, là on le rattrape. Toc, on le chope juste avant la sortie, nickel, on va se débarrasser de tout ça. Ensuite, tout ce qui reste, c'est les archers. Ils sont beaucoup trop loin. Non, les Yari à Shigaru, les archers ont déjà réussi à s'enfuir. Non, c'est beaucoup trop loin. On va s'arrêter là. Victoire décisive. Parfait. Donc les rebelles, c'est fait. On va pouvoir se prendre un tour de reconstitution. En espérant que l'autre décide de pas venir nous emmerder. Sérieux, il est pas mort? Ah si. Ok. Nickel. Ça m'aurait fait chier quand même. Ok, on peut se replier près de la ville. On va le faire. Hop. Donc lui, il peut venir nous chercher hein, s'il a envie. Ici ça donne quoi? On n'est plus qu'à moins 3. Ok, parfait. On va réparer ça. Pour 53 balles, c'est pas mal. Et on a ce truc là qui réduit le moral des ennemis quand même, qui nous a bien aidé je pense. J'aurais bien voulu m'en servir contre eux. Là en fait on dirait qu'il a pas fait l'assaut, hein. Il est assis donc je pense que c'était son mouvement maximum. Et il a pas pu faire l'assaut. Et lui il a deux provinces. Hein. On voit pas ce que c'est pour l'instant. On peut pas cliquer dessus. Mais bon, au moins on s'est replié, on est bien, on a un petit niveau ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Plus 100 d'attaque en mêlée pour toutes les unités à épée, on n'en a pas pour l'instant. Et plus 100 d'attaque en mêlée pour ce général et ses bodyguards. Il l'a mérité, je pense. Il a clairement mérité. On va prendre le mouvement et on va prendre un petit peu de défense en mêlée pour son général. Parce que il a montré que sur le champ de bataille, il savait faire, quoi. Clairement. Donc ici on est à moins 3, là ça va devenir moins 15 donc c'est bon, la dévastation va disparaître, military crackdown, donc ça c'est la répression parce qu'on a détruit les rebelles qui va baisser, qui commence à 6 qui va baisser, mais ça va pas être facile à stabiliser quand même, hein. C'est quand même un petit peu... ouais, c'est vraiment merdique le coup de... le coup du loot, hein. Faudra vraiment que je m'en souvienne. Ok, bah c'est plutôt un beau tour. Lui, il peut pas aller jusque là. Là, on est normalement à peu près sécurisé, même si lui... Ah, il serait quand on double-clique, ça ouvre pas la diplomatie. Nikaido... Est-ce qu'il serait éventuellement contre une alliance? Il serait pas contre une alliance. Un petit military access peut-être. Bon, ça c'est peut-être un peu abusé. Peut-être un petit peu de sous. 1000, ça me semble chaud quand même. C'est sa trésorerie ou c'est ma trésorerie ça? Ça doit être sa trésorerie. Contre 196, une alliance militaire, ça me va. Je vais sécuriser notre flanc là. On a largement assez de travail au nord. Même si bien sûr il faudra qu'on y aille parce que l'objectif ça reste Kyoto hein. Mais ici au moins on est sécurisé pour quelques temps. Sachant que là il y a quand même du taf hein. Alors moi j'ai fait deux armées parce que je veux profiter des bonus de chacun. Et je sais pas si c'est considéré comme... comme sous son commandement, genre lui il a moins 2% de Special Ability Cooldown là, pour toutes les unités sous son commandement, mais en vrai ces unités sont pas sous son commandement, c'est sous son commandement du Daimo je pense. C'est difficile d'être sûr en vrai.
Ok, dans tous les cas, on va passer le tour, on va voir ce qui se passe ici. Et le printemps va probablement déjà se terminer. Allez, ok, ici il retourne chez lui, pas de problème, c'est notre allié maintenant. Là, comment ça va se passer? Ouf, il y a eu. Il y a eu quoi là? J'ai pas compris. Visiblement, il a pris la ville, il a tenté l'assaut après, il s'est fait repousser, donc du coup, il est rentré dans la ville et l'autre l'a fini. Ah, ici, vous êtes sérieux? Il va y avoir encore une unrest? Bah, on va devoir. On va devoir virer les taxes, hein. Il n'y a pas le choix, surtout qu'il faut qu'on sorte de la ville. Enfin, encore que. Du coup, ici, est-ce qu'on voit un peu? Ouais, c'est ça. Ouais, il est beaucoup trop énervé, hein. Alors, il est bien endommagé. Il est bien endommagé. Il a une autre armée pleine ici. Six tours avant que ça se re-remplisse. Cinq tours de notre côté. Quelles sont nos possibilités ici? On peut assassiner des cibles. 14-21%, c'est chaud. Ou alors on peut essayer de saboter l'armée pour qu'elle se déplace pas. Ok, ici. Saboter le market, saboter les portes. Ok, pourquoi pas. On n'a pas le mouvement pour lancer l'assaut. On aurait le mouvement pour lancer l'assaut? Ah ouais, mais est-ce qu'on a le mouvement pour lancer l'assaut avec des renforts? Lui il est un petit peu trop loin, ouais, il est un petit peu trop loin, on va devoir le placer. Alors lui il peut aller jusqu'où? Pour l'instant pas très loin. Alors et puis le problème c'est que si on sort maintenant, là ça va partir en couille de nouveau le. Si je vais dedans, est-ce que je peux me permettre de laisser les taxes? Oui, ok, donc on va laisser les taxes. On va se mettre dedans. Et on va recruter du coup. Alors qu'est-ce qu'il nous faudrait en vrai? Au niveau de l'armée, on a pas mal de lanciers, on a pas mal d'archers, il nous faudrait quand même plus de comme ça. Ouais, on a deux recrutements. Donc là, ils vont venir avec un peu plus de morale en plus. Est-ce qu'on a la possibilité de les disband, de les faire se reformer maintenant qu'on a du moral? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Donc il va falloir qu'on monte une grosse armée ici. Pendant ce temps-là, on va se reformer un petit peu et stabiliser l'ordre public. Et les prochains, on les doutera pas. Clairement. Très très clairement, les prochains, on les doutera pas. Donc ici, on recrute deux mecs. Est-ce qu'on recrute des gens là? Je suis pas forcément motivé. Ça va déjà pas mal plomber notre budget. Peut-être un petit archer pour le plaisir, après tout c'est moins grave le moral. Et là ça pourrait être bien d'entraîner notre mec, mais 29 c'est chaud. Et si tu vas là-bas, 43% pour 150, allez tente. Ok, parfait. Un petit peu d'expérience pour notre agent, ça fait toujours plaisir. Lui on l'a. On casse son. Ah non, il peut pas y avoir de reconstitution quand il n'y a pas de général. Et du coup, on a pété son mouvement. Il peut plus bouger. Ce qui donnera peut-être des opportunités à l'autre, même si ça devait être une unité en recrutement qui se retrouve un peu dans le mal. Pour l'instant, c'est toujours un fort. Et ici, c'est un fort aussi. Très bien. Il y a un port, il y a un blacksmith. Ouais, elle est riche cette province. Hein. Ici, pareil. Un projet d'irrigation. Je vois pas où est le blacksmith, mais peut-être qu'il est à l'intérieur du village. Hein. Normalement, la plupart des bâtiments spéciaux sont extérieurs, genre comme les mines ou comme les petits champs, et on peut aller les raser du coup, comme a fait le rebelle. Mais je le vois pas là. Ici, cette province est plutôt bien en défense, hein, parce que tout est proche de la ville. Ok, on va arrêter cet épisode-là dans tous les cas, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. Il va y avoir de l'action, on va avoir des grosses batailles ici, des ennemis à faire tomber. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce, un petit commentaire, un petit peu de RP si ça vous plaît, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!